Je suis monsieur Georges Groudemouge. Je connais Saint-Jean depuis 1971. Et c'est un endroit qui est magnifique au point de vue baleine, tout. C'est un petit village qui a envie de vivre un peu. Alors, pourquoi des crèches? Parce que je trouve que des crèches, pour Noël, une crèche, un sapin, le Père Noël, tout ça, ça nous rappelle une enfance, quoi. Et en plus, ça attire énormément de gens. On a eu, dans les 200-300 personnes la première année, c'est la troisième année, 1500 l'année dernière. J'espère que cette année, on en aura beaucoup plus. On a monté cette association, ouais. Et on a commencé à deux, et maintenant on est 25 adhérents, plus des bénévoles qui viennent aider. On crée les crèches nous-mêmes, on achète le moins possible de choses, c'est avec de la récupération, tout ça. Et puis il y a des artistes qui viennent exposer. On fait le tour du village, on a monté des petites cabanes, on en a 10 pour l'instant. On a monté un petit atelier, enfin, un petit peu dans le bourg, un petit peu chez soi, parce que bon, chez soi on a quand même du chauffage, alors j'invite des amis et tout, et c'est plus convivial, des fois on est 2-3, il y a des jours on est 4 ou 5, ça dépend. Mais on respecte la laïcité, puisque dans la cour de la mairie, on a fait une décoration de Noël qui n'est pas tout à fait finie, mais qui n'a rien à voir avec les crèches. C'est une crèche qui a eu le premier prix à Landonne. C'est Madame Josette Boissière, d'Église Neuve, qui l'a faite en hommage à Georges de la Tour. 1593-1652. Elle est enterrée.